Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre est le seul musicien français à être devenu une star planétaire avec 60 millions de disques vendus en 30 ans de carrière. Jean-Michel Jarre a eu une destinée hors du commun qui lui permet aujourd'hui d'être plus populaire que son père. Jean-Michel Jarre voit le jour à Lyon en 1948. Son père, Maurice Jarre, est compositeur de musique. Sa mère est femme au foyer. Les Jarre mènent une vie heureuse et sans histoire. En 1953, son père quitte le domicile conjugal. Il part travailler aux États-Unis. Là-bas, Maurice Jarre s'impose comme l'un des meilleurs compositeurs de musique de film. Lawrence d'Arabie marque son premier grand triomphe à Hollywood. Une composition qui lui vaut un Oscar. 3 ans plus tard, il récidive avec la musique du film Docteur Jivago. Maurice Jarre est une superstar. Installé dans sa luxueuse villa sur les hauteurs de Los Angeles, il fonde une nouvelle famille avec la comédienne Dany Saval. En France, Jean-Michel Jarre, lui, vit dans un modeste deux pièces avec sa mère. Il n'a quasiment pas de nouvelles de son père. J'ai grandi assez loin de son... influence aussi bien professionnelle qu'affective. Quoi. Enfin, je l'ai peu vu dans ma vie, en fait. Pourtant, tout comme ce père qu'il connaît peu, Jean-Michel Jarre s'intéresse à la musique. À 15 ans, il fait une apparition au cinéma avec son premier groupe de rock. Puis il entame des études au Conservatoire de Paris. C'est à cette époque qu'il rencontre un homme qui va changer son destin. Il s'appelle Pierre Schaeffer. Dans leur laboratoire de recherche, l'élève et le maître inventent un nouveau genre musical, la musique électronique. Mais à l'époque, personne n'y croit. Alors pour survivre, Jean-Michel Jarre écrit des chansons. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Ces deux tubes attirent l'oreille d'un producteur. En 1977, Jarre publie son premier album. Le succès est foudroyant. Oxygène est à ce jour le disque français le plus vendu avec 12 millions de copies. Mais Jean-Michel Jarre doit encore trouver un terrain de jeu pour exprimer ses symphonies musicales. Il va alors avoir une autre idée, celle qui va faire de lui un musicien, pas comme les autres. 1979, Paris. Place de la Concorde. Jean-Michel Jarre donne son premier concert. On attend 20 000 personnes. Ce soir-là, ils sont plus d'un million à assister à ce show d'un genre nouveau. Jean-Michel Jarre entre dans le livre des records. Pendant 20 ans, l'artiste enchaîne les spectacles grandioses. Pékin, Houston, Moscou, Le Caire. Sa musique universelle lui permet de rassembler les foules. Mais dans sa vie privée, la communication avec son père est toujours aussi difficile. Les deux hommes se voient peu. La presse les dit fâchés. Mais un miracle va se produire. Le 13 février 1995, cérémonie des victoires de la musique. Les organisateurs ont demandé à Jean-Michel Jarre de remettre un trophée à son père. Nos chemins sont souvent croisés à travers des frontières qui étaient les mêmes. La musique, on dit qu'elle sert à rapprocher les gens. Dans notre cas, Elle nous aura permis de nous réunir et je m'en réjouis et de nous retrouver. Touché par l'hommage de son fils, Maurice Jarre va pour la première fois en public lui témoigner son admiration. Je suis très touché évidemment que cette victoire me soit remise par quelqu'un que j'aime, que j'admire, dont je suis fier et qui ne doit son succès qu'à lui-même. Après plusieurs autres brouilles, les deux hommes se sont enfin réconciliés. Comme quoi, la musique finit toujours par adoucir les mœurs.